Bonsoir tout le monde. Alors on se retrouve comme promis pour faire le tuto dont je vous avais parlé pour faire un petit scarabée pendentif pour la fête des mamans ou une coccinelle qu'on pourra prendre pour... excusez mes mains toutes pleines de peinture. J'étais en train de peindre la coccinelle déjà et regardez, à moi et la peinture ça fait deux. Hein. Donc on va commencer par faire... le scarabée. Alors, je vais vous montrer déjà. Alors, pour ce qu'il faut pour le faire. Alors, moi, j'ai pris de la pâte. C'est toujours la même, la Fimo Air Light. Mais si vous avez celle de chez Action, ça va aussi. Sauf que ce sera un petit peu lourd. Alors, celle-là, pour ça, elle est vraiment super parce qu'elle est ultra légère. Hein. Alors, il vous faudra donc de la pâte. Il vous faudra une cuillère. La petite cuillère pour faire le scarabée. Et une cuillère. Alors, celle-là vient de chez Action. C'est des cuillères en plastique de chez Action. C'est pour faire la coccinelle qui est plus grosse. Si vous voulez faire une grosse coccinelle, vous pouvez prendre même une cuillère à soupe. Ou un gros scarabée aussi. Ensuite, il vous faudra... comment ça s'appelle encore? Ah là là, moi et ma tête. Hein. Aïe. Bon, enfin, un truc comme ça, par animal, hein. Alors, la peinture, après pour les peintres, bon, ça c'est à vous de voir. Hein. Bon, moi, le scarabée, je vais le faire en paillettes. Alors, donc, j'ai pris des paillettes dorées et de la colle blanche, qui se trouve être celle-ci, la Patex de chez Action. Voilà, et c'est tout. Et un pinceau, quoi. Hein. Voilà, alors, c'est tout facile pour faire la forme. Alors, je vais vous montrer. Alors, vous prenez votre pâte. Ah, pardon, j'ai oublié. Il vous faudra aussi bâton. Alors, soit pique à brochette, soit cure-dent, enfin, soit des allumettes. C'est pour faire les pâtes. Alors, vous prenez un petit peu de pâte. Donc là, celle-là, bon, c'est pas grave, elle va être sale maintenant à cause de ma peinture, mais de toute façon, je vais pas la garder puisque j'en ai déjà préparé une d'avance. C'est juste là, c'est juste pour vous montrer, hein. Donc vous prenez votre pâte, vous la pétrissez un peu et puis vous la mettez de façon à ce qu'elle soit bien lisse, vous voyez. Et là vous prenez un peu d'eau dans un verre, vous la mettez comme ça sur le doigt et vous l'étalez bien sur la pâte pour qu'elle soit bien bien lisse justement. Qu'elle ne fasse pas après des rides ou des trucs comme ça. Vous la mettez dans votre cuillère et là vous l'étalez bien en appuyant bien sûr. De façon à ce que ce soit assez plat. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait des grosseurs, quoi. Hein. Alors, s'il y en a trop, ben, vous récupérez ce qui est en plus autour, vous l'enlevez, quoi. Hein. Vous voyez, il faut que ce soit assez plat. Voilà, bon, ben là, je crois qu'elle est bien. Alors, à ce moment-là, vous prenez votre... Oh, mais comment ça s'appelle ce truc? Enfin, vous prenez ce bitonio et vous l'enfoncez comme ça dedans. Alors, vous faites gaffe que le petit morceau, que ce soit... Enfin, moi, j'ai fait gaffe que ce soit le petit morceau qui sorte parce que je voulais pas que ce soit le gros. Alors, vous l'enfoncez comme ça, mais en longueur. Non, à l'intérieur. Attendez, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Mais qu'il soit à l'intérieur, vous voyez pas. Il faut pas qu'il ressorte au-dessus. Bon, alors là, vous prenez quelque chose pour remettre la pâte bien. Et là, vous rajoutez un tout petit morceau de pâte. Parce que du coup, ben, ça a fait un petit trou, vous voyez. Alors, vous rajoutez un petit morceau de pâte ici. Hop. Et vous essayez d'aller bien dans l'arrondi, quoi. Hein, pour que... Et vous regardez bien que le... cette chose-là sorte bien devant. Vous voyez qu'elle soit bien devant comme ça. Bon, vous enlevez toujours le surplus hein, de la cuillère. Non, là, c'est pas bon. Il faut qu'il soit bien à plat. Et enlever le surplus. Voilà, là, c'est bien. Voilà, quand vous avez fini ça, vous prenez votre cuillère, vous la mettez sur un radiateur ou quelque part où il fait assez chaud. Où elle va sécher assez rapidement, quoi. Hein. Que ça ne mette pas 8 jours pour qu'elle sèche. Enfin, moi, je l'avais posé,
Je l'avais posé hier soir et puis ce matin c'était bien sec quoi. Voilà, donc une fois que vous avez bien fait votre forme, vous prenez votre cure-dent ou votre pic et vous coupez des petits morceaux. Oh, ça va pas le faire. Je vais le faire avec la main. Oh là là, il est dur celui-là. On va prendre un plus fin. Voilà, alors des petits, pas trop grands, quoi. Faites-les à peu près pareil quand même. Hein. Voilà, deux. Aïe. Trois. Quatre. Alors sur l'autre, j'en avais mis six. Bon, vous en mettez combien vous voulez. Hein. Il y en a qui en mettent huit. Peut-être, je sais pas. Je sais pas combien de pâtes ça a vraiment. Hein. Moi, je vous montre comment faire, quoi, juste pour. Voilà, vous piquez juste vos pâtes dedans. Bon, vous les faites à la même grandeur. Hein. Ne faites pas comme moi. Moi, c'est juste pour vous montrer là. Ça là, c'est carrément cassé. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous mettez vos pâtes et ensuite vous le mettez à sécher dans un endroit bien chaud. Enfin, moi, je l'avais posé sur le radiateur toute la nuit. Hein. Voilà. Donc, je vous montre le résultat. Donc, le voilà. Alors là, vous voyez que les morceaux de bois sont ressortis un peu au-dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave puisque de toute façon, on va le peindre et le pailleter. Donc, on verra plus rien. Hein. Donc, à ce moment-là, il nous reste plus qu'à le décorer. Alors, on prend son pinceau. Voilà, sa peinture noire. Voilà, alors, on lui fait un arrondi. Alors, j'espère que vous... Bon, c'est pas grave, j'en rajouterai un petit peu après. Voilà, vous peignez les pattes en noir et le dessous en noir aussi. Bon, pour l'instant, je vais peindre que ce qu'on voit, comme ça. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, ben, vous rincez votre pinceau, bien sûr, pour qu'il n'y ait plus de peinture. Vous prenez votre colle. Alors moi c'était c'est quoi comme colle ça? C'est la Patex de chez Action. Alors vous tartinez bien tout le dos, mais pas le noir, hein. Que là où c'est blanc quoi. Oh, j'ai oublié de peindre une patte là. C'est pas grave, je le ferai après. Ouais, il faut aller au bord, mais il faut pas qu'il reste du blanc. Hein. Après, on pourra toujours refaire le trait noir par la suite si jamais on le voit pas trop. Voilà, bon là, je pense que c'est bon. Alors là, vous prenez une feuille de papier ou une feuille d'essuie-tout. Moi, je vais prendre une feuille d'essuie-tout. Vous tenez votre bestiole par sa tête là. Non, c'est pas comme ça qu'on l'ouvre celui-là. C'est comme ça. Et là, et ben, vous mettez vos paillettes. Alors vous pouvez en faire des dorés, des argentés, la couleur qu'on veut, quoi. Hein. Bon, ben non, ben, c'est plutôt comme ça. Parce que sinon. Bon, de toute façon, je récupérerai après ce qui est tombé à côté. Voilà. Vous voyez, on voit presque plus le trait noir.
Alors à ce moment-là, on reprend, parce que je vois qu'il manque des paillettes aussi. On rajoute, faut bien qu'il y en ait partout, quoi. Hein. Voyez là au bord, il en manque. Et là aussi, puisque on voit encore du blanc. Voilà. Et là. Hop, hop. Oui, mais en dessous, c'est repeint. Alors là, par contre. Ah mince, c'était pas sec. C'était encore pas sec. Du coup, ça colle un petit peu aussi sur le noir. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. Alors là, vous reprenez votre pinceau. Et vous refaites un trait noir au milieu, puisque je vais sécher un peu le pinceau, parce que sinon ça. D'ailleurs, je vais me refaire tout le noir, je crois, parce que là, il tient pas trop trop. Oups. Oh, mais je tremble, mon Dieu. Comment voulez-vous que je fasse un trait? J'ai fait une faute là déjà. Hein? Bon. Et là, hop, on repasse du noir. Voilà. Ah oui, sur la pâte aussi qui était. Voilà. Et quand vous avez fini ça, vous mettez un. Attendez, je vais mettre un peu de noir sur les pâtes encore. Voilà, quand le noir sera sec, parce que là il n'est pas sec, bien sûr. D'ailleurs, ça me plaît pas parce que il y a encore des paillettes dessus. Voilà. Ah, voilà, c'est bien mieux là. Et là, encore un trait au milieu. Tiens, d'ailleurs, je vais l'élargir un peu. Voilà. Voilà, ben, c'est bien comme ça. Oh, ben écoutez, il me plaît mon scarabée doré. Il vous plaît? Oh, je le trouve super joli. Alors après, quand vous avez fini, quand tout est sec, vous prenez juste le pinceau, puis vous faites deux petits points de colle ici, et puis vous rajoutez quelques petites paillettes pour lui faire deux yeux dorés. Et voilà comment faire un joli scarabée pour mettre sur un pendentif ou une chaînette, ou un raz-de-cou. Et puis la petite coccinelle, bah, pareil. Ou même, on peut la mettre dans une plante. Pour un anniversaire, tiens, je pense à toi, Marie-Odile, hein, toi qui voulais faire des coccinelles, ben voilà. Et puis les coccinelles, bah, et les petits scarabées, on peut en mettre partout. Moi, j'aime bien mon petit scarabée doré, là, il me plaît bien. Voilà, et ben, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve très bientôt pour un prochain, bien sûr. Et puis ben, je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis à très bientôt. Gros gros bisous, au revoir.